Cette fois, tu es allé vraiment trop loin. Mais je vais vous expliquer. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Tais-toi. Voudriez-vous venir jusqu'ici, cher ami? J'aimerais vous présenter notre invité qui vient d'arriver. Pour te punir, je vais t'obliger à collaborer avec moi à une œuvre extraordinaire. Laquelle? Mon chef-d'œuvre, un homme parfait que je suis en train de créer, totalement à mes ordres. Il me manque un cerveau. Le tien fera l'affaire. Très flatté. Et franchement, vous pourriez trouver mieux. Modeste, donc vraiment intelligent. Nous ferons du bon travail ensemble. Mes expériences sont très avancées. Vous pressez pas. Ce serait dommage de rater pareille expérience. Oh, tu peux être tranquille. Je réussis toujours ce que j'entreprends. Voici Lady Beltham, fidèle collaboratrice et amie qui m'assiste dans tous mes travaux. Très heureux, si j'ose dire. Elle fut l'épouse de Lord Beltham, opportunément disparu. Lord Beltham? Le cadavre de la malle mystérieuse? Lui-même. Alors c'est vous qui... Parfaitement. Je suis sûr que vous allez vous entendre à merveille. Je vous remercie, cher ami. Peut-on rêver veuve plus envoûtante? N'est-elle pas plus que belle? La beauté du diable. Oui, la femme idéale. C'est bien simple, elle a tous les défauts. Lady Beltham sera pour toi une hôtesse pleine d'attention. Pourquoi? Vous nous quittez déjà? Pour quelques jours seulement. Je vais d'abord te perdre aux yeux de l'opinion publique. Ceux que tu aimes te haïront. Et l'annonce de ta mort sera un soulagement pour tous. Je vais faire de toi un monstre sanguinaire. Et comment? En commettant en ton nom et avec ton visage les forfaits les plus spectaculaires. Tu emporteras mon secret dans la tombe. Un procédé de mon invention me permet de reconstituer à la perfection la peau humaine. J'ai réalisé la plupart de mes forfaits avec le visage de mes propres victimes. Voilà, parmi tant d'autres, quelques échantillons de mes compositions. J'ai pris l'identité de ces personnages comme je vais prendre la tienne. Et chaque fois, j'avais reconstitué leurs empreintes sur des gants de la même matière. Et surtout, n'essaie pas de t'évader. Des cellules photoélectriques rendraient vaines tes tentatives. Et si tu essayais d'employer la force au moindre signal de Lady Beltham, mes gardes s'occuperaient de toi. Retirez-vous.